Bienvenue sur Embarque avec moi. Je fais des vidéos en caméra embarquée. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui va pas se passer en Belgique, il va se passer au Brésil. En fait, j'ai un ami qui est parti là-bas. Il m'a gentiment filmé la voiture qu'il avait là-bas sur place. Merci à lui. Voici la Chevrolet Tracker premier turbo. C'est une voiture toute neuve. C'est une essence qui fonctionne à l'essence et à l'alcool. L'alcool de colza. Alors, regardons ce qu'elle a dans le coffre. Beaucoup de Chevrolet ici au Brésil qui sont aussi Opel. Comme ils disaient qu'ils appellent ça General Motors. Mais c'est le logo de la Chevrolet. Hop, bim. Qu'est-ce qu'elle a dans le capot, cette belle voiture? C'est une automatique. Waouh. Bon, comme j'y connais rien, je vais pas pouvoir en dire grand chose, mais c'est propre. Et quoi, l'alcool, ça se met au même endroit que l'essence? Ouais. Tu peux mélanger. Et voilà, une voiture qui roule à l'alcool, entre autres. On va juste ouvrir les. Il y a l'espace. Voilà, on va faire un petit tour dedans pour en dire un petit peu plus et voir la conduite. Alors Martin, on est à Belo Horizonte. C'est la troisième plus grosse ville du Brésil. On est dans les terres, il y a du relief, il y a des mines. Alors, la voiture, donc, comme je disais, la Chevrolet Tracker, 1.6, tu disais que c'était quoi? La cylindrée. Potencia, 133, 1200. Ah oui, 133 chevaux. Elle est agréable. Elle est de cette année, hein, vraiment Martin. Donc elle est vraiment toute neuve. Et voilà, le tour. On est à la place des drapeaux. Il y a accès aux personnes PMR ou quoi? Parce qu'il y a le logo sur le bus. Oui. Il y a une plateforme qui descend. C'est assez typique de Belo, hein. Si tu regardes partout, tous les trottoirs, il y a des signaux pour les non-voyants. Mm-hmm. Avec forcément des codes, hein. Donc là c'est aller tout droit, et puis quand il y a un danger, ça devient différent. Et même les un simple immeuble d'habitation doit avoir un accès pour personnes à mobilité réduite. Oui. C'est chouette, c'est rare que ce soit pensé comme ça au niveau. Oui, c'est ça. Ouais. Tous les accès au trottoir, il y a toujours une rampe partout quoi. Thank you.
pro-Bolsonaro. Ah, ok. Tout le centre est bloqué en fait. On n'arrivera pas à aller. C'est la rue direct, donc nous on va par là, mais on va essayer de se gagner par ici. Mais ça va pas être facile parce que tout le centre est. Ah non, ce qu'ils n'ont pas dit non, les taxes. Chevrolet Tracker premier. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.